Hello les choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va, impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Vidéo où on va se make-uper la tronche avec deux nouveautés make-up. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel. Bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Et bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Et si ce type de contenu vous plaît, que vous aimez bien ma bobine et ma personnalité, et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Venez rejoindre la troupe des choupettes et choupettos. Sans plus tarder, vous savez ce que je veux dire, on y va. Donc on est là pour s'amuser avec du nouveau make-up. Tadam! Donc la Nuptials de Cosmic Beauty, Cosmic Brushes. Et j'ai un blush Buttermelt de NYX Cosmetics. Donc, commençons par le commencement, la Nuptials de Cosmic Brushes. Elle est sortie récemment et j'ai pas résisté, je l'ai achetée sur le site de Monolith au dernier lunch. Regardez-moi cette harmonie, comme elle est jolie. Oh là là là. Donc c'est du neutre. Un neutre bien particulier. J'aime beaucoup le moutarde de la... L'espèce de burgundy bien profond, il y a un noir. Il y a de quoi estomper convenablement. Il y a de belles teintes shimmering et même duochrome. Alors attendez, pour moi, j'en vois deux duochrome multichrome. Sur le site de Monolith, je l'ai payé à 47,90€ ou quelque chose comme ça. Certes, les palettes de Cosmic Brushes ont augmenté, mais l'un dans l'autre, ça reste quand même un très bon prix pour le type de palette et le type de qualité que l'on a avec la marque. Donc je suis très contente. On va commencer tout de suite, je ne vais pas plus blablater. Je vais mettre la base sur mes paupières et on y va, on se make-up les yeux. J'ai hâte de voir si la palette répond à mes attentes. En tout cas, l'harmonie me plaît divinement bien. Je suis très 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 contente. Oui, 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 je suis une dame de neutre. Neutre, tout ce qui est un peu, vous voyez... je vais dire le mot que j'aime bien, grungy. Jusqu'à présent, j'ai pas eu de problème avec les palettes de Cosmic Brushes. Bien évidemment, j'ai mes préférées. Mais je n'ai pas eu de problématique avec les fards, que ce soit les fards lumineux, que ce soit les fards mat. Jusqu'à présent, tout se travaille bien. J'espère qu'avec celle-ci, il en sera de même. Surtout que ça s'apparente à du neutre. Donc, ce serait dommage que j'ai du mal à, à travailler les fards. Donc, bien évidemment, comme je vous ai dit, j'ai été attirée par ce type de teinte-là. Donc, je vais utiliser la teinte Icon. Oh là là. Bon, c'est un peu poudreux, mais en même temps... Je vais voir si sur ma carnation, ça se voit correctement. Oh, oh... Oh, oui, ça se voit bien, c'est beau. Je regarde là parce qu'il y a un miroir. Hein. Je ne vous regarde pas, mais le cœur y est. Oh là là, c'est doux. Qui a craqué pour cette palette? Moi, j'ai craqué que pour l'une des deux, celle-ci. L'autre, bien que très jolie, non, non, non. Déjà assez de bleu, déjà j'ai la Wonderland. C'est le violet qui m'a eu dans cette palette. Donc là je vais utiliser une teinte qui n'a rien à voir. J'aurais pu prendre le marronné mais non 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 non. D'ailleurs il y a un marron froid et un marron chaud. Très très bien. Donc je vais prendre la teinte Lust qui se trouve là. Sorte de burgundy bordeaux bien profond. Oh là là, couleur vin vous voyez. Bien sûr je vais mettre dans coin externe. Oh là là. Ça se travaille bien. Il n'y a pas à dire, les amis, ça se travaille tout seul. Je suis éparatée. Je mets en ras de cils inférieur direct. Waouh, ça se travaille vraiment, vraiment bien. Désolée, j'ai continué. Ma télécommande a appuyé sur arrêt. Je pensais que ça continuait à filmer, donc je continue. J'ai pas mis beaucoup de temps, heureusement que je me suis rendu compte. Que ça filme plus, putain. J'ai changé la télécommande de place. Première fois que ça m'arrive, ça, par contre. Bon, on est arrivé des galères, mais... Je reprends mon pinceau d'avant et j'utilise encore la teinte Icon pour un peu estomper. Ce mélange moutarde, burgundy, ça donne une petite teinte orangée. Je vais reprendre la teinte Icon
Vous voyez? Oh là là. C'est beau. C'est très 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 joli. Ça y est, j'ai terminé le travail des fards. Voilà. Je suis trop contente du rendu. C'est très très joli. Maintenant, on va voir un peu ce que donnent les lumineux. C'est une palette de 20 fards. Et sur les 20 fards, 8 lumineux en fait. Donc, bien évidemment, la facilité voudrait que je mettrais le fard Desire. Mais d'ailleurs, on va le swatcher. Waouh, c'est un beau fard duochrome que j'ai déjà vu dans d'autres palettes, bien évidemment, mais quand même. Luxe, il a l'air beau aussi. Oh là là, oui, il est magnifique. Oh oui, il est magnifique, il est magnifique. Tender. Waouh. Très, très, très joli. Regardez-moi ça comme c'est beau. Oh là là, c'est magnifique. Regardez-moi ces jolies teintes. Waouh. Il y en a deux qui sont assez en transparence, mais franchement, duochrome, multichrome, duochrome, j'aurais pu se dire. Ah non, quoi que, regardez. Il y en a une a fait orangé, vert, doré. Et l'autre a fait orangé, vert. Je sais quel teint j'ai envie d'utiliser. La Luxe. Oui, oui, le vert. Vert orangé. Magnifique. Je vais prendre celui-là pour commencer et après, peut-être mon pinceau silicone s'il y a besoin. Ça se prélève bien au pinceau. Wow, attendez. C'est très crémeux. Waouh, c'est marrant. C'est vraiment orangé. C'est sublime. Orangé vert. Regardez-moi ça comme c'est beau. Je sais pas si vous pouvez voir le côté orangé. Oh. Pour le coin interne, je vais prendre la teinte radiant. Oh là. Très 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 joli. Un espèce de... pareil, vert orangé, mais sous fond blanc. C'est super, super, super. C'est vraiment juste de mettre là, là, au coin interne. Oh là 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 là. C'est le feu. Regardez-moi ça. On va bien mélanger. Ça donne une petite vibe à mon make-up. Oh là là, j'aime trop. On mélange. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Comme j'ai dit, on mélange. Ah, j'aime beaucoup le coin interne, là, comme ça, là. Oh, regardez-moi ça. Bah écoutez, là j'ai terminé pour ce qui est des travaux des fards. Là je vais mettre un fin trait de liner, mascara, peut-être rajouter teinte en ras de cils inférieur. Et on se retrouve pour le blush. Bon, qu'en dites-vous? Travail de fard terminé. Bah allez, c'est parti pour le blush. Donc, j'ai cédé la tentation, j'ai acheté un trio de blush pour 15€ via Vinted, donc très 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 contente. J'ai été à la parapharmacie où il y a justement un corner NYX, il y a plein d'autres corners d'ailleurs. Soit bronzer, blush, plus rien, plus rien. Donc, c'était une aubaine de trouver ça sur Vinted, surtout les 3 pour 15€ alors qu'un coûte 10,95€ ou un truc comme ça. Comme je vous ai dit, là j'ai la teinte Ad Buta, un orange éclatant. Qui va aller parfaitement avec ce que je porte là. J'en ai déjà essayé un des trois et je peux vous dire que c'est... Là, j'ai pas mis de blush crème ou liquide. Je vais directement avec celui-ci. Là, je vais utiliser mon pinceau bronzer en espérant pas trop salir. Pas du tout. Et j'y vais. Oh, c'est trop beau. Oh là là.
voyez ça? Oh là 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 là. Le blush, ma passion. Parmi tant d'autres passions. Oh là 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 là, c'est beau. C'est pigmenté, hein. Voilà. Deux tentes en mouvement. Regardez comment c'est beau. Celui-ci, il est satiné, hein, comme les autres, mais il a une tendance mate, mate satiné. Tandis que les deux autres que j'ai, ils sont vraiment brillants, quoi. Ça fait office de blush enlumineur. Qu'en dites-vous? J'aime trop mon teint. Voilà, ça c'est dit. Revue terminée, ça a été vite. C'est bien aussi de ne pas faire toujours des revues avec 50 000 nouveautés. De toute façon, il n'y a pas 50 000 nouveautés. Là, on va parler de la palette Cosmic Brushes. Je répète encore et encore, mais elle est magnifique. L'harmonie est franchement bien pensée, bien réfléchie. Ça fait plaisir de voir des teintes violettes, orangées, ocre, vert. Mais ça change des verts qu'on voit habituellement. Voilà, c'est une très 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 jolie palette de neutres. J'ai fait mon make-up très facilement et très rapidement. Donc, parfois, c'est ce qu'on veut. Et pour un très très beau résultat, selon moi. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le make-up. J'ai regardé une seule revue sur cette palette, c'est celle d'Angelica Nivix. C'est bien aussi de ne pas regarder 50 000 revues pour pas que les make-up des uns et des autres restent en tête. Après, moi, j'ai ma façon de me maquiller. En tout cas, mention spéciale pour ce fard luxe qui est mais crémeux et qui a une teinte vraiment particulière. Vous savez, on a l'habitude des orangés verts comme celui-ci. La teinte Desire, vous voyez, cette teinte-là, là, Desire, on a l'habitude de la voir, c'est vert, voilà, c'est un fard un peu duochrome commun. Tandis que celui-ci, il est vert-orangé, il est tellement différent des autres, il est à la fois mi-transparent, mi-opaque, et je sais pas, il a quelque chose en plus qui fait que, ben là, oh là 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 là, mon make-up, je l'aime de feu de Dieu, c'est une très belle teinte, je pense que je vais l'user, et rien que pour cette teinte, cette palette vaut le coup, même si franchement, les fards se sont bien comportés. Comme je vous ai dit, ça a été rapide, facile. Et c'est tout ce qu'on aime. Je suis contente qu'il y ait un noir dans cette palette. Dit comme ça, c'est trop bizarre. Surtout par les temps qui courent. Mais j'ai hâte de la réutiliser. C'est une palette qui peut paraître automnale. Mais le neutre, comme je vous ai dit, hein, on peut l'utiliser à tout instant. En toute saison, il n'y a pas de règles en termes de maquillage. On fait selon ses envies. Et là, je suis très 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 contente. Ça a été un petit coup de cœur quand je l'ai vu, malgré le fait que ce soit une palette de neutre. La qualité est à la hauteur, donc je suis très contente. N'hésitez pas à me donner votre avis, vos premières impressions, si vous avez eu l'occasion de la tester déjà. Je serai ravie de vous lire. Le blush, sans grande surprise. Bon, ben, pépite, hein. Pigmenté, ça se travaille facilement, ça fait pas de taches. Oh, c'est beau. Non, 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 je suis conquise. Si je m'écoutais, je chercherais à avoir d'autres teintes. J'en ai trois, pourquoi pas tout prendre même. Mais on n'y est pas encore. Moi qui dis que j'allais me calmer sur les blushs. Donc, revue rapide, efficace, comme on aime. Tout est nickel, il n'y a que deux produits certes, mais deux produits de qualité. Qualité. Donc, que vous ayez craqué sur l'un ou l'autre, ou les deux, je veux connaître votre avis et savoir ce que vous en avez pensé. Ok, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de la faire. Et là, je m'en vais acheter une baguette pour montrer au monde mon make-up. Donc, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, à partager cette bouille. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Oui, je me répète constamment. Si tu aimes bien ce que tu vois, ce que tu entends, abonne-toi, gratis, ça fait extrêmement plaisir. Et en plus, tu sais quoi, tu vas m'encourager, voilà. Il n'y a pas que les gros comptes qu'on encourage, il y a aussi les petits comptes comme le mien, ok? Sinon, tu peux également me retrouver sur Instagram, que je te glisse là. TikTok aussi. Bah oui, hein, plus on est fou, plus on rit. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, protégez-vous hein, du soleil, hein, si c'est canicule par chez vous. En attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous. Mouah.